Ça.
Et en fait, si on regarde, on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup de succès tout à fait remarquables. On lui dit, il y a un site qui a ouvert la voie, décide de dire aujourd'hui, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a peut-être même trop, et probablement qu'il y aura de la mortalité, comme toujours quand on est sur une phase émergente. Mais le principe de vendre des deals marche très bien. Aujourd'hui, Big Deal, c'est une équipe d'une trentaine de personnes, assez discret, mais qui a une qualité de service absolument exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, Funashop, qui est un
si le règlement se fait en espèces à réception, on est bien toujours dans, dans une forme de commerce électronique, puisque la commande a bien été générée par le site internet ou par le mobile. Et aujourd'hui, ce mode de paiement représente plus de 90% du volume total des ventes de e-commerce en Tunisie. Plus de 90% des commandes en Tunisie sont réglées sous forme d'espèces à réception. Ça veut dire que le paiement sécurisé, c'est moins de 10% des ventes en ligne. À cela, il y a une raison principale qui est que la société de monétique Tunisie donne pas entière satisfaction, on va dire, peut progresser encore en matière de sécurisation, mais surtout peut progresser en matière de confiance des consommateurs. Aujourd'hui, ce qui bloque, ce qui freine, c'est globalement la défiance. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter en ligne, ça toutes les études le montrent depuis 3 ans. Moi j'estime qu'il y a potentiellement pratiquement un Tunisien sur deux qui peut acheter, surtout une Tunisienne sur deux. Donc ça fait 5 à 5,5 millions de personnes de faibles revenus à revenus très élevés, mais qui se retiennent parce qu'ils sont inquiets, soit dans la fiabilité du site, soit par rapport à ces histoires de paiement, soit par rapport à la livraison. Donc il faut espérer qu'en matière de paiement sécurisé, il y ait des progrès qui soient faits. On a vu dans les pays occidentaux le développement du système 3D Secure que je vous présente ici, qui est le principe que lorsqu'on a validé son numéro de carte bancaire sur le site, on reçoit un petit code par SMS qu'on doit rajouter derrière. Donc ça, comme le numéro de téléphone et celui du client il est couplé à la carte, ça permet de donner une sécurité par rapport à une carte volée. Parce que si on se fait voler la carte sans s'être fait voler en même temps le téléphone portable, on ne va pas recevoir le code pour pouvoir le valider. Et ça a provoqué en général, au début, une baisse des taux de transformation parce que les gens ne connaissaient pas le nouveau système et étaient un peu inquiets. Et puis ça a remonté parce que ça a augmenté la confiance, parce que c'est plus sûr. Alors en passant, je voudrais égratigner aussi l'ensemble du système. Pour moi, les tarifs bancaires sur les commissions de paiement sécurisé sont un véritable scandale. C'est excessivement cher, ça n'a pas de raison d'être aussi cher que ça. Et ça contribue d'ailleurs à freiner le développement du paiement sécurisé, puisque du point de vue du site marchand,